C'est pas possible. Je fais Il y a des jours, mais c'est aussi C'est bon signe, des fois. si par relâche de la journée, tu as dû être concentré peut-être aujourd'hui. Ah, j'ai passé des examens sur ordinateur, alors c'est bon, Le quoi. quoi? Tu relâches. Le relâche. Si tu as besoin de relâcher, inspirez, redressez votre colonne. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez. Expirez, arrondissez. Inspire. Expire. Inspire, encore une fois. Expire. Et puis vous allez inspirer, redresser, poser la main gauche au sol, déplier la jambe droite, fléchir le genou droit vers l'arrière. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, revenez milieu. Expirez, pivotez vers la droite, sans forcer, hein. Inspirez, revenez milieu. Grandissez. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, revenez. Expirez, pivotez à droite. Et puis, vous allez inspirer, revenir, déplier votre jambe, revenir milieu. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, étirez le côté gauche. Restez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le devant. Posez vos mains au sol, restez. Et puis, vous allez dérouler votre dos, déplier votre jambe gauche, pointer le pied vers l'arrière, redresser votre colonne. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, revenez milieu. Grandissez. Hein. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, revenez milieu. Étirez bien votre nuque. Expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, revenez milieu. Expirez, pivotez à gauche. Et puis, vous allez inspirer, revenir milieu. Déplier votre jambe, revenir en tailleur. Inspirez, montez les bras. Expirez, inclinez vers la gauche pour étirer le côté droit. Restez. Et puis, vous inspirez, vous montez les bras par le devant. Vous expirez, vous relâchez les bras, vous posez les mains au sol, vous restez. Et puis, vous allez dérouler votre dos, redresser votre colonne, allonger vos jambes, fléchir le genou droit, pointer le pied droit vers l'arrière. Rapprochez vos deux genoux, ça va Patrick, ça? Ouais, tu gères. Ok. Inclinez le buste légèrement vers l'arrière. Appuyez-vous sur les mains pour sentir légèrement l'avant de la cuisse droite s'étirer. Et puis, vous revenez tout doucement au milieu. Vous dépliez votre jambe. Vous changez de côté. Fléchissez la jambe gauche. Ça mobilise les hanches en même temps. Rapprochez vos genoux si c'est possible. Pointez bien le pied derrière. Reculez le buste vers l'arrière. Étirez la jambe gauche. Puis, vous allez revenir tout doucement au milieu, déplier, fléchir les deux genoux, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Roulez un peu de chaque côté et redressez votre buste. Grandissez. Inspirez, étirez votre nuque, montez les bras vers le ciel. Grandissez, grandissez. Expirez, pivotez vers la droite.
Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. On cherche à allonger la colonne. Sans pencher, Stéphanie. Redresse tes épaules. Voilà. Inspire, monte. Expire, pivote à droite. En cherchant à sentir votre colonne qui reste dans son axe. Juste une rotation. Oui, voilà, là c'est bon. Inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez à gauche. Une fois, inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez à droite, dernière fois. Voilà. Inspirez, montez les bras. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Expirez, j'ai pivoté à gauche. J'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour enlever le son de la sonnerie. Et puis, vous revenez milieu, les mains sur les genoux. Inspirez, redressez votre colonne, grandissez, étirez votre nuque. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez. Cherchez à grandir. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Et puis, vous allez revenir inspirer, refermez vos genoux, pivotez sur le côté pour venir sur le dos, sur le tapis, à plat dos. Paume de main vers le ciel, les genoux largeur de bassin, inspirez par le nez, expirez par la bouche, serrez le périnée, aspirez votre nombril. Retenez-vous d'aller à la selle, retenez-vous de faire pipi. Et puis, vous allez inspirer en soufflant, décollez les jambes après la tranche des oreilles inversées. Gardez le nombril aspiré, le bassin bien ancré dans le sol. Inspire, expire, allonge la jambe droite, contracte l'avant de la cuisse droite. Expire, reviens. Il faut que je revienne parce que je ne vous vois pas. Expire, la même jambe. Allongez la même jambe. En soufflant, contracté. Je ne vous vois pas comme ça, là. Voilà. Et puis, vous reprenez. Quatre fois à droite. Après, vous restez à la joue. Dernière fois. Et puis, vous allez garder la jambe droite allongée. Montez les bras vers le ciel, inspirez, paume de main se regarde. Gardez bien le sacrum ancré dans le sol, expirez, décollez votre buste. Descendez vos mains, paume de main vers le sol. Les mains au niveau des hanches. Et là, vous allez inspirer sur 5 battements, souffler sur 7. L'avant de la cuisse droite bien contractée. Le périnée serré. Mouvement par de l'épaule, voilà. Et puis vous relâchez vos épaules, vous posez la tête, paume de main vers le ciel, fléchissez les genoux, serrez vos genoux, écartez les bras sur le côté, soufflez, amenez les deux genoux vers la droite, les deux genoux restent bien collés, inspirez, revenez milieu, et puis soufflez, amenez les deux genoux vers la gauche, les genoux restent collés, inspirez, revenez milieu. N'oubliez pas votre périnée. Dernière fois de chaque côté.
appuyez, vous revenez au milieu, vous ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, écartez vos genoux, expirez, allongez la jambe gauche, contractez l'avant de la cuisse gauche. Inspirez, revenez fléchis. Et puis à nouveau, expirez, allongez. Inspirez. En inspirant bien le nombril en même temps. Je serre le périnée, j'aspire mon nombril. J'allonge la jambe. Voilà, parfait. Le sacrum reste ancré dans le sol. Dernière fois. Et puis, gardez la jambe gauche allongée. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, décollez votre buste. Amenez les mains au niveau des hanches. Paume de main vers le sol, doigts bien tendus. Inspirez sur 5 battements, soufflez sur 7. Les épaules, c'est le bras qui bouge en entier. Voilà, parfait. Et puis, vous relâchez vos épaules, posez la tête, fléchissez les genoux, roulez sur un côté pour poser vos mains au sol et venir vous asseoir sur le tapis derrière vous. Redressez le buste, inspirez, expirez, déroulez votre dos sur le tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel et puis expirez, remontez. Alors, si vous avez le dos assez souple, vous pouvez souffler, dérouler. Inspirez, remontez, sans décoller vos talons. Vous soufflez, sans décoller les talons. Si ça décolle, vous reprenez la respiration. Je souffle, je descends, j'inspire, je reste en bas et je souffle, je remonte. Voilà, vous voyez comme c'est possible. Si vous sentez que ça décolle trop, que les pieds se décollent, Patrick, il vaudrait mieux que tu fasses une pause en bas. Parce que tu as les pieds qui décollent et ça tire trop. Ouais, t'as, ça, tu mets trop d'élan en fait. Tu as de l'élan, c'est pas très bon. Voilà, comme ça. Ouais, là c'est mieux. Non, pardon. Du coup, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, c'est ça. Dernière fois. Et puis, vous allez revenir, allonger votre colonne, les deux paumes de main l'une contre l'autre, soufflez, amenez les bras devant, relâchez vos épaules, étirez bien votre nuque, inspirez, montez les bras vers le ciel, expirez, amenez les deux mains derrière la tête avec les doigts vers le ciel. En regardant devant, ouais, c'est pas facile. Inspirez, montez les bras vers le ciel, c'est pour ouvrir la cage thoracique. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez, regardez vers l'avant quand vous amenez les mains derrière la tête. Ouvrez les épaules, poussez la cage thoracique vers l'avant. Oui, c'est ça Stéphanie. Pousse bien la cage thoracique vers l'avant. Regardez, quand vous avez les bras derrière la tête, amenez le regard à l'horizon ou légèrement plus haut. Ça oblige la cage thoracique à s'ouvrir, à monter. Voilà, parfait, super, c'est ça. Ouais, parfait. Même si les doigts ne sont pas en l'air, parce qu'on ne peut pas. C'est évident de garder les doigts vers le ciel. Dans cette posture. Dernière fois. Et puis, vous allez revenir vers l'avant, fléchir vos genoux. Attrapez vos chevilles, arrondissez bien votre dos, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez vers l'avant. Soufflez, inspirez. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le sol. Voilà, pour moi c'est mieux. Dernière fois. Et puis vous revenez. Allongez vos jambes devant. Les mains, au lieu de les mettre derrière les fesses, vous allez les mettre au niveau des fesses. Quand vous êtes là, vous redressez bien votre buste.
Et puis, vous allez vous appuyer sur les mains, les épaules loin des oreilles, presser les mains au sol, faire appuyer les talons au sol, faire glisser les fesses vers l'avant pour décoller votre bassin, monter. Si c'est possible, là où c'est possible. Là, tape pas les mains dans le bon sens, Valérie. Inspirez, revenez. Redressez votre colonne. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, expirez, vous reglissez à nouveau. Vous poussez. Et puis, inspirez, revenez. Continuez à votre rythme. Et puis, expirez. Dernière fois, ça tire sur les épaules. Et puis, vous allez relâcher, pivoter sur le côté, venir sur le coude. Genou fléchi. Inspirez, expirez, décollez le bassin, allongez votre jambe et restez. Là, vous allez faire des petits ronds avec votre jambe. Inspirez sur un rond, soufflez sur l'autre. Vous inspirez, vous revenez, expirez, étirez la taille. Relâchez votre bras, revenez, passez à quatre pattes. Retroussez vos orteils, inspirez, soufflez, poussez les fesses vers le ciel, enfoncez les talons dans le sol. Poussez, poussez, voilà. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, amenez les épaules au-dessus des poignets, le genou droit au niveau de la poitrine, le talon droit contre la fesse, regardez entre les deux mains, posez le pied droit au sol, regardez devant. Parfait. Vos mains sont posées au sol, inspirez, expirez, ramenez la jambe droite vers le ciel. Et puis, posez votre pied droit au sol, poussez les fesses vers le ciel, restez. On va faire le côté gauche. Inspirez, montez votre jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, le talon gauche contre la fesse gauche. Regardez entre les deux mains. Et expirez, posez le pied gauche entre les deux mains. Regardez vers l'avant. Inspirez et expirez à nouveau. Ramenez la jambe gauche vers le ciel. Et puis inspirez, posez votre pied gauche au sol. On reprend le pied droit. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine, le talon droit vers la fesse. Expirez, posez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Redressez votre buste, ouvrez le buste, pivotez vers le genou fléchi. Montez le bras droit vers le ciel. Oui, c'est ça. Et puis inspirez, venez poser votre main à côté du pied, décollez votre genou, expirez. Et à nouveau inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez votre pied droit au sol. Pied tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, le talon gauche vers la fesse gauche. Et puis, posez votre pied entre les deux mains. Posez votre genou gauche au sol, votre genou droit au sol, pardon. Et pivotez le buste vers la jambe fléchie, vers la jambe gauche. Puis, vous inspirez, vous ramenez votre main. Posez les mains, décollez votre genou, expirez, restez et inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Allongez, allongez. Expirez, posez le pied, chien tête en bas.
Inspirez, montez la jambe droite. Tirez le péril de le ventre en même temps. Expirez, amenez le genou droit vers la poitrine, le talon vers la fesse. Voilà, arrondissez votre dos. Posez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol. Et pivotez vers la gauche, montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, revenez, posez votre main au sol. Expirez, allongez la jambe gauche. Et inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, posez votre pied droit. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine, le talon vers la fesse. Posez votre pied entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Pivotez vers la droite, montez votre bras droit vers la jambe arrière. Et puis, vous ramenez votre main. Posez, décollez le genou de la jambe droite. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, posez votre pied gauche. Allez, plus qu'un. Inspirez, montez la jambe droite. Contractez la fesse en même temps, voilà. Ramenez le genou à la poitrine, le talon vers la fesse. Posez votre pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche au sol, regardez vers l'avant, redressez le buste, lâchez les mains. Si vous avez mal au dos, vous ne faites pas, vous gardez les mains posées au sol. Sinon, vous lâchez, vous pouvez monter les bras vers le ciel, peut-être. Faites pas si vous avez mal au dos. Et puis, vous relâchez les bras par le côté. Posez vos mains au sol, décollez votre genou. Inspirez, montez la jambe vers le ciel, la jambe droite. Expirez, posez votre pied droit au sol. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Posez le pied entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Redressez le buste, regardez vers l'avant. Si vous avez le dos séparé, ne faites pas. Montez les bras vers le ciel. Voilà, comme ça, c'est très bien. Dépend plus de monter les bras. Et puis vous expirez, vous relâchez les bras par le côté. Posez les mains, décollez le genou. Inspirez, montez la jambe gauche. Et expirez, posez votre pied gauche. Enfoncez les talons dans le sol, restez en chien tête en bas. Fléchissez le genou droit. Expirez, enfoncez le talon gauche. Inspirez en changeant de côté. Et expirez, enfoncez le talon droit. Alternez droite et gauche. Dernière fois. Et puis, vous allez venir poser les genoux au sol, pivoter sur le côté pour venir sur l'autre coude. La main sur la hauteur du pantalon, ça va? Expirez, décollez le bassin, allongez la jambe, restez. Là, vous faites des petits ronds avec votre jambe. J'inspire sur un rond, je souffle sur l'autre. Et puis, vous relâchez, revenez. Repoussez le sol et venez étirer le côté. Relâchez votre bras, revenez milieu. Écartez vos jambes, redressez votre buste. Serrez le périnée, les bras devant. Inspirez, pivotez vers la droite. Expirez, venez scier votre cheville droite en gardant bien la fesse gauche posée au sol. Inspirez, revenez face à la jambe droite. Et expirez, revenez milieu.
Redressez votre colonne et grandissez. Si vous sentez que vous, les ischios ne sont pas posés au sol, vous fléchissez un peu les genoux. Expirez, sciez. Inspirez, revenez. Et expirez, revenez de face. En serrant le périnée. Relâchez vos épaules. Inspirez. Expirez. Inspire. Et expire. On cherche à en grandir toujours. Dernière fois de chaque côté. Et puis vous revenez milieu, relâchez vos bras, fermez vos genoux, passez de profil au tapis. Là, vous allez attraper votre cheville droite, allongez la jambe droite. Abandonnez votre dos, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez devant. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le sol. On va en faire 5 à droite. Et puis, vous allez revenir, gardez le pied droit dans les mains. Redressez votre colonne, décollez votre jambe gauche. Ouh, attends, je reviens. Restez. Essayez de rester. Et puis peut-être vous pouvez lâcher les mains. Les jambes tendues, lâchez les mains. Peut-être. Un équilibre fessier. Et puis vous relâchez. Relâchez, détendez, relâchez les cuisses, ça tire un peu sur les cuisses. Déroulez tout doucement votre dos, fléchissez le genou gauche, on va faire la même à gauche. Allongez votre jambe gauche. Serrez bien périnée ventre, soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, revenez devant. Une fois qu'on en a fait 5, vous revenez. Et là, on part pour l'équilibre fessier avec la jambe droite décollée. Si ça roule, c'est normal. Voilà, c'est normal, on vient de rouler. Et puis, peut-être, vous pouvez lâcher les mains. Fléchissez un peu les genoux s'il y a besoin. Et puis vous relâchez, détendez, détendez. Déroulez votre dos sur le tapis, roulez sur un côté, allongez-vous sur le côté. Le petit creux sous la taille, main sur la couture du pantalon ou le bras vers le ciel. Les pieds, largeur de bassin, inspirez sur un battement, soufflez sur l'autre. Fléchir vos genoux, pivoter sur le dos, amenez les bras le long du corps, inspirez, allongez vos jambes, expirez, amenez les jambes vers l'arrière, mettez les pieds flex, inspire et expire, déroule le dos. Inspire, pose les pieds, voilà, parfait. Expire, décolle. Oui, c'est ça.
Mettez les mains s'il y a besoin. Dernière fois. Et puis vous allez fléchir les genoux. Roulez de l'autre côté. Vous mettre sur la tranche, le petit creux sous la taille et reprendre les petits battements. J'inspire sur un battement, je souffle sur l'autre. On est dos à dos. Voilà, parfait. Le petit creux sous la taille. Je serre bien le périnée, le ventre. Les jambes tendues. Oui, c'est ça, les fessiers contractés. Et puis, vous fléchissez vos deux genoux. Vous revenez tout doucement mêlés. Les bras le long du corps, posez vos pieds au sol, les pieds largeur de bassin, inspirez en soufflant, plaquez le bas du dos au sol, poussez le bassin vers le sol. Inspirez quand vous êtes en haut, expirez vos déroulés. Essayez de détendre vos épaules quand vous faites ça. Et même peut-être, essayez de voir si c'est possible si vous pivotez les paumes de main vers le ciel. Si vos épaules sont plus détendues et plus plaquées au sol. Vous voyez, quand vous êtes le plus à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous remettez vos mains. Dernière fois. Et puis vous relâchez. Pivotez sur le côté, pardon. Venez sur le coude. Allongez les deux jambes sur le côté. Posez le pied de dessus devant. Montez le bras vers le ciel. Inspirez, expirez. Pressez le pied au sol, le pied flex. Pour décoller votre bassin. Et puis peut-être vous pouvez mettre les deux jambes. Et puis peut-être décoller un peu un pied. Ou pas. Respirez. Restez un tout petit peu. Et puis ramenez votre pied. Posez le pied. Relâchez le bassin. Pivotez sur le ventre. Pour venir sur les avant-bras, en gainage, serrez bien votre périnée et votre ventre, passez sur les genoux et sur les orteils. Maintenez, inspirez par le nez, expirez par la bouche, serrez bien votre périnée. Et puis, vous allez poser les genoux, pivoter sur l'autre coude. Donc là, on est dos à dos.
posez le pied de dessus devant, décollez votre bassin comme tout à l'heure. Et puis peut-être mettre les deux plantes de pied, les deux jambes l'une contre l'autre ou pas, ou vous gardez le pied devant. Et puis, décollez votre jambe, peut-être. Vous faites comme c'est le mieux pour vous. Puis, vous posez le pied devant, vous revenez sur les genoux pour revenir en gainage, repoussez bien le sol, revenez sur les orteils, restez. Serrez le périnée, serrez le ventre, maintenez la main sur les coudes, bien sous les épaules et les coudes. Voilà. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, serrez périnée, ventre. Et puis, vous relâchez, posez vos genoux, ramenez vos mains, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras loin devant. Détendez. Et puis, vous inspirez, décollez vos fessiers. Pressez bien vos mains au sol, retroussez vos orteils, poussez les fesses vers le ciel, enfoncez les talons dans le sol. Serrez le périnée et le ventre, ramenez les mains vers les pieds, sans bandiner vos fesses. Expirez, déroulez votre dos, jambes fléchies ou jambes tendues. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant, étirez la nuque. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant, en planche. Expirez, écartez les mains sur le côté. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, refermez vos mains, en planche. Expirez, posez les genoux, les mains serrées. Et là, vous allez inspirer, fléchir les coudes, mais les coudes serrés. Expirez, poussez. Inspirez, poussez les fesses vers le ciel. Inspirez, expirez, restez, pardon. Ramenez les mains vers les pieds, inspirez. Expirez, déroulez votre dos. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant, étirez la nuque. Expirez, enroulez le dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, écartez les bras sur le côté. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, refermez vos mains. Posez les genoux. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, décollez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Expirez, enroulez le dos. Allez, les deux dernières. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, écartez les mains sur le côté. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, refermez vos mains. Posez les genoux. Expirez. Inspirez, fléchissez les coudes. Expirez, poussez. Inspirez, allongez vos jambes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. La dernière, inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant, étirez la nuque. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant.
Expirez, écartez les bras sur le côté. Inspirez, fléchissez les bras. Expirez, poussez. Refermez vos mains. Inspirez, expirez, posez les genoux au sol. Inspirez, fléchissez les bras. Expirez, poussez. Inspirez, allongez vos jambes. Expirez, poussez les fesses vers le ciel, enfoncez les talons dans le sol. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Et puis, expirez, on change. Arrondissez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Et puis expirez, en sautant ou sans sauter, amenez les pieds à l'extérieur des mains. Vous faites comme vous voulez. Redressez, poussez les genoux vers l'extérieur, les deux mains devant ou pas. Et puis là, vous relâchez, vous posez vos mains au sol, vous refermez vos pieds, vous inspirez, vous regardez vers les pieds, vous expirez, vous revenez en planche. En sautant ou sans sauter, comme vous voulez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. C'est bien le périnée quand vous déroulez. Inspirez, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Étirez la nuque. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Et puis expirez, sautez, sautez ou pas pour amener les pieds à l'extérieur des mains. Les talons au sol, poussez les genoux vers l'extérieur. Redressez votre colonne. Même si vous avez les mains au sol, cherchez à allonger votre colonne. Voilà, parfait. Posez vos mains au sol, refermez vos pieds, largeur de masseur. Regardez vers les pieds, relâchez votre tête. Et expirez en planche. Soit un pied après l'autre, soit en sautant. Ça, c'est comme vous voulez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez. Expirez, arrondissez votre dos. Enroulez. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. En planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Expirez, hop, les pieds à l'extérieur des mains. Redressez votre buste, poussez les genoux vers l'extérieur. Posez les mains au sol. Refermez vos pieds, inspirez, expirez, en planche, j'y arriverai un jour, expirez, chien tête en bas, inspirez, ramenez les mains vers les pieds, expirez, déroulez votre dos. Allez, la dernière, on restera en bas. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Restez. Voilà. Posez vos genoux au sol. Et puis, vous allez inspirer, expirer, descendre tout doucement la poitrine entre les pouces. Et puis, vous relâchez. Hop, hop. Là, vous superposez vos deux mains, vous mettez le front sur les mains, serrez le périnée, serrez le ventre, serrez bien le périnée, inspirez votre nombril, contractez la fesse droite et puis contractez la fesse gauche. Sauf si vous avez mal au dos, vous soufflez, vous contractez la fesse droite, vous relâchez
Vous inspirez, vous soufflez, vous contractez la fesse gauche, vous relâchez. En faisant attention de ne pas contracter vos épaules. Et si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez alterner jambe droite et jambe gauche. J'inspire sur un battement, je souffle sur l'autre. Je relâche bien mes épaules. Puis vous relâchez les fessiers. Laissez tomber les talons vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur, bien relâcher les fessiers. Les talons vers l'extérieur. Voilà, comme ça ils vont se relâcher. Et puis vous allez amener les bras le long du corps, poser le front au sol, contracter périnée et ventre, mais en essayant de ne pas trop contracter vos fessiers. Pour les mains vers le sol. Expirez, décollez le buste, rapprochez les omoplates de la colonne. Les épaules vers le bassin et puis inspirez, revenez. Si vous préférez inspirer en montant parce que c'est plus logique pour vous, vous le faites. Parce que dans celui-là, comme ça monte, on a plutôt tendance à vouloir inspirer. Relâchez, amenez les mains juste devant au niveau de la tête et des oreilles, montez vos coudes, relâchez vos épaules, décollez le buste, serrez périnée et ventre et restez. Pressez la pulpe des doigts sur le sol, vous étirez votre nuque et vous cherchez à sentir. T'as les mains un peu trop en avant, Valérie. Les doigts sont posés au sol. Hein. Voilà, et plus écartés sur le côté. Ouais, plus écartés aussi. Ah oui, mais vous ne voyez pas là. Je n'avais pas vu qu'on ne voyait pas sur l'écran. C'est juste la pulpe des doigts au sol. La paume de main ne touche pas. Je pose ma pulpe des doigts au sol. Je suis en appui sur les doigts. Attends, écarte peut-être un peu tes mains, Stéphanie. Elles sont trop serrées, je crois. Encore. Voilà, vous repoussez le sol avec vos doigts. Tu as les mains encore un peu trop en avant, Valérie. Recule tes mains, voilà. Et là, tu redresses pour chercher à cambrer dans le haut du dos. Oui, c'est ça, Stéphanie. Oui, c'est ça, Valérie. Parfait. Mais vous ne devez en aucun cas étirer ta nuque, Stéphanie. Juste, voilà. Et en aucun cas, vous devez sentir le bas du dos. Hein. On est d'accord. C'est le haut du dos. Je cherche à cambrer dans le haut du dos. Voilà, je maintiens la posture. Je garde le périnée et ventre serré. Et puis, vous relâchez votre dos. Relâchez les bras devant. Vous mettez les bras en chandelier, pivotez la tête à droite. Détendez. Inspirez, décollez tout doucement votre tête, changez de côté. Inspire. Et vous allez fléchir le genou de la jambe droite sur le côté, sur le sol, en restant à plat ventre. Allongez le bras droit vers l'avant et allongez le bras gauche vers l'avant. Allongez les deux bras. Et puis, vous allez amener le bras gauche en ramenant votre main droite vers la poitrine. Vous amenez le bras gauche vers la droite, vers le genou droit, le bras gauche, vers la jambe fléchie, le bras gauche. Voilà. Pour venir vous appuyer sur la main droite, roulez sur le côté pour venir sur le dos. On n'a pas les tapis assez larges.
Attrapez votre genou droit, amenez le genou droit vers la gauche et la tête vers la droite. On n'a pas les tapis assez larges. Les deux omoplates sont bien posées au sol. Puis vous revenez tout doucement au milieu, ramenez votre genou, ramenez l'autre jambe, allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite, pardon, je suis à l'envers, attrapez votre genou gauche et amenez le genou gauche vers la droite et la tête vers la gauche. Oui, c'est comme ça, Patrick. Et puis, vous allez pivoter vers la gauche pour venir sur le ventre avec le genou gauche sur le côté, les bras allongés devant. Ramenez la main gauche au niveau de la poitrine, repoussez le sol pour revenir sur le dos, sur le tapis. Roulez, installez-vous sur votre tapis, ils sont pas assez larges, les tapis ne sont pas assez larges. Et puis là, vous allez croiser la cheville droite sur la cheville gauche, poussez les genoux vers l'extérieur. Et avec vos deux mains, venir chercher votre cuisse gauche ou votre genou gauche. Pour bien sentir la hanche droite s'étirer. Oh. J'ai pas fini, Clément. Oui. J'ai pas fini. Et puis, si c'est possible, vous allez allonger votre jambe gauche vers le ciel. Et peut-être, avec vos deux mains, attraper le mollet ou la cheville ou le pied gauche. Peut-être. Ou le mollet. Si le pantalon ne glisse pas trop. Voilà, parfait. Fléchissez votre genou gauche, décroisez votre jambe, montez les deux pieds vers le ciel. Les deux plantes de pieds vers le ciel, on fera le truc après. Passez les mains à l'intérieur des cuisses pour venir attraper les plantes de pieds. Les chevilles au-dessus des genoux, enfoncez vos genoux dans le sol. Essayez, voilà, parfait, impec. Enfoncez les genoux dans le sol pour chercher à sentir les adducteurs et des fois un peu le bas du dos s'étirer. Et vous allez relâcher, fléchir vos deux genoux, refermez vos jambes. Posez le pied droit au sol, posez la cheville gauche sur le genou, poussez le genou vers l'extérieur. Venir chercher votre cuisse droite avec les deux mains ou le genou droit, comme vous pouvez. Et puis, si c'est possible, allongez votre jambe droite et avec vos deux mains, attrapez votre mollet, votre cheville, votre pied.
relâchez votre jambe, fléchissez le genou, décroisez, pressez vos deux genoux contre la poitrine, roulez sur un côté pour venir vous asseoir sur le tapis. La jambe gauche est allongée sur le... faut se réveiller. Jambe gauche allongée sur le côté. Fléchissez votre genou gauche. Avec l'index et le majeur, attrapez vos deux gros orteils, votre gros orteil. Redressez le buste. Ouvrez la poitrine vers la droite. Cherchez à pivoter votre colonne vers la droite. Regardez vers l'arrière. Montez le bras droit et ouvrez la cage thoracique. Poussez le bras droit vers l'arrière. Poussez, ouvrez. Dieu seul est un fabricant français. Ah, mince. La musique, elle ne dure qu'une heure. Après, on a la pub. Les panneaux Duracell qui produisent par leur façon l'électricité photovoltaïque et par leur... Et puis, vous allez monter le bras vers le ciel. Le coude reste en contact avec le genou. Et amenez votre main droite vers le pied gauche et la poitrine parallèle à votre jambe gauche. Vous maintenez, vous étirez bien votre côté droit. Restez. Inspirez, revenez milieu, redressez votre colonne. Ramenez votre pied gauche devant, posez votre cheville droite sur le genou gauche, descendez votre genou droit vers le sol. Grandissez, il ne vaut pas. Pas facile. Hein. Oui, tu peux poser la main si c'est. Vous pouvez poser la main gauche sous le pied droit. Redresser, vous accrocher ou poser la main droite derrière si vous sentez que votre dos ne tient pas. Vous posez la main derrière. Pour bien étirer votre hanche droite. Oui, vous pouvez poser la main. Si vous avez besoin, posez la main droite derrière. Et puis, avec votre main gauche, vous montez votre pied droit. Vous ramenez le pied droit vers la poitrine. Voilà, le dos, ça rebondit, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est ça, Valérie. Et ensuite, avec votre bras, vous enveloppez votre pied droit contre la poitrine. Voilà. Et puis, vous bercez. Bon, travaillez la hanche. Oui, c'est ça, Patrick. Vous sentez la hanche droite? Oui, c'est ça. Alors, c'est bon. On va faire du déhanché après. C'est pas très confortable, hein, on est d'accord. Et puis vous relâchez. Dépliez votre jambe, détendez. Fléchissez le genou de la jambe gauche. Fléchissez un peu le genou droit. Venez chercher votre gros orteil. Allongez votre colonne. Pivotez la poitrine vers le genou gauche, montrez le bras gauche vers l'arrière et ouvrez bien votre cage thoracique, comme si vous vouliez que la poitrine aille regarder loin derrière. Allez-y doucement parce que des fois les vertèbres, voilà, en cherchant à allonger votre dos. Et puis, vous allez incliner le buste vers la droite, amener le bras gauche vers le pied droit, regardez sous les selles gauches et restez. Sentez le côté gauche s'étirer. Inspirez, vous montez votre bras, vous revenez milieu, redressez votre colonne, ramenez
la jambe droite devant, le pied gauche dessus, appuyez votre pied, descendez le genou vers le sol. Restez. Et puis, vous allez monter votre pied et venir verser votre jambe gauche. Toujours une ou un mieux que l'autre. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme ça. Hein. Juste vous montez, vous restez. Vous ne la bercez pas. Vous la bercez comme si vous le sentez. Hein. On va juste mobiliser. Respirez en même temps. Tu sens, Stéphanie, ta hanche? Oui? C'est bon? Et puis, vous relâchez. Dépliez, allongez votre jambe vers l'avant. Ici, vous allez fléchir un tout petit peu les genoux et chercher à cambrer dans le bas du dos. En poussant les fesses vers l'arrière. Cherchez, vous avez les genoux très légèrement fléchis, Valérie. Très légèrement fléchis. Vous avez les talons au sol, les genoux, les mains sur les tibias ou pas, et vous cherchez à cambrer dans le bas du dos. Une fois que vous avez la posture de je cambre dans le bas du dos, vous pouvez essayer d'allonger vos jambes sans bouger le dos. Ou de revenir fléchi. Et puis, vous allez mettre les orteils vers le ciel, attraper les orteils. Réfléchissez un peu plus, s'il y a besoin, réfléchissez un peu plus ce genou. Tirez vos orteils vers vous, expirez et tirez la jambe droite. Peu importe que la jambe, elle ne se tende pas. Gardez la fermeture dans le bas du dos. Et puis, tirez la jambe gauche. Réfléchissez le genou droit, s'il y a besoin. Voilà, comme ça. Et puis, vous relâchez vos pieds, relâchez le buste vers l'avant, détendez le dos, fléchissez un peu les genoux, passez les mains, les bras sous les genoux pour que les avant-bras passent dessous. Relâchez la tête, les jambes légèrement fléchies, restez. Décroisez vos mains, vous posez vos mains au sol, vous redressez votre colonne, fléchissez vos genoux, mettez les mains sur les genoux, inspirez, redressez la colonne, expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez votre colonne, restez. Expirez, inspirez, avancez le menton vers l'avant. Expirez, redressez votre nuque. Inspirez, expirez, tirez la nuque. Juste la nuque. Voilà, parfait. Alors, on allonge le dos. Tirez la nuque. Oui. Et puis restez. Relâchez les bras. Croisez vos jambes. Ou installez-vous sur le dos. Inspirez par le nez. En étirant la nuque, en relâchant les épaules. Expirez par la bouche lentement. Ou par le nez. Gardez le buste allongé, la nuque étirée. Respirez pour que Valérie elle relâche de sa journée, même les autres d'ailleurs.
Juste 5 minutes de respiration. Comme ça, ça fait travailler les côtes, le diaphragme. Hop. Je suis en train de parfait. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sans bouger votre dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gonflez bien vos poumons, allongez bien. Ou alors installez-vous sur le dos. Inspire. Expire. 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 Sans relâcher le dos. Inspire. Expire. 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 Inspire. On y est presque. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et puis, vous reprenez une respiration normale. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis, s'il y en a qui veulent faire une relaxation, eh bien, je vous propose une relaxation. Valérie, j'espère que ça t'aura détendu. Ça t'aura au moins permis de t'oxygéner, d'oxygéner tous les muscles, le cerveau surtout. Chez les fois de bailler, ça fait du bien aussi, des fois aussi.